Et tout le monde du Secreto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Final Fantasy VII Remake, le DLC Intermission. Donc nous sommes dans l'épisode 4 et moi je vais me décaler un tout petit peu pour bien parler dans le micro. On va tourner un petit peu l'écran aussi, voilà, c'est parfait. On se reprend directement du coup à la suite du précédent épisode. J'ai fait quelques ajustements par rapport à cette version PC, parce que je pense que vous avez pu vous en rendre compte lors du dernier épisode, il y a quand même pas mal de petites saccades de temps en temps. Et j'ai pris le temps de me renseigner un petit peu sur tous les petits défauts qu'il y avait sur le jeu, notamment sur la partie technique et pourquoi c'était là et à quoi c'était dû. Et en fait, c'est des petits soucis qui ne sont pas vraiment dus à l'optimisation comme je le pensais, mais bien des petits choix des développeurs en fait du jeu, de la version du jeu qui laisse un petit peu à désirer. Mais bon, il y a des petits fixes qui permettent de changer pas mal de petites choses, donc je m'en suis un petit peu occupé, j'ai fait 2-3 ajustements par rapport à ça. Ça devrait être un petit peu mieux, dans cet épisode. Et je pense que je ferai soit une vidéo à part, soit un petit article à part sur le blog pour expliquer un petit peu ce que j'ai fait et les choses qu'on peut faire, en tout cas sur cette version PC, pour qu'elle fonctionne un petit peu mieux. En tout cas, pour éviter les moments où ça saccade un petit peu. Voilà, tout simplement. Du coup, je vais pas trop m'étaler par rapport à ça. Je vais surtout continuer ma petite aventure et puis jouer en fait, voilà. Celle-ci a l'air plutôt ordinaire. C'est pas ce qu'on est venu chercher. C'est pas grave, je vais quand même toutes les récolter. Donc la sortie, ça a l'air d'être par là, mais avant... Ah, il y a un truc à activer. Avant, on va aller voir s'il n'y a pas des petits objets comme ça à choper à travers les petites... les cartons, tout ça, voilà, on a tout pris, on va pouvoir aller activer le petit interrupteur. Qui est juste ici. Eh putain, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas pensé à vous dire, tout simplement. Bah, je vous souhaite de passer une bonne année 2022, tout simplement. Au moment où je fais cette petite vidéo, on est le 1er janvier, il est 1h30 du matin, je suis pas fatigué, je suis en pleine forme. Je me dis, tiens, on va continuer un petit peu la petite épopée Final Fantasy VII Intermission. De toute façon, vous verrez pas cette vidéo tout de suite. Hein. Donc voilà, il y a un petit moment avant que la vidéo sorte. Mais voilà, si j'ai pas pensé à vous le dire avant, c'est parce que tout simplement, on n'était pas encore passé en 2022. Donc voilà, la vidéo arrivera quand elle arrivera. Et puis voilà quoi. Ah, il doit y avoir des trucs activés, j'imagine. Ici et de l'autre côté. Et non, même pas. Putain, par contre, j'ai pas lu ce qu'elle était en train de dire, du coup. Ah tiens, c'est peut-être ce genre de truc. Non. Ah si. Là, je récupère une matériel, on a récupéré expertise technique. Ok. Ah, donc il y en a quelques-unes quand même à récupérer en fait. Okay. Boulet de canon shinobi, d'accord. Ça a l'air d'être intéressant ça. Et on a. Garde renforcée. Attends, il y a un truc là à faire. Ouais, il y a un truc qu'il a fait. En fait, faut monter, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il faut monter. Ah ah ! On peut grimper cette barrière pour aller voir là-haut. Grimpe en fait, tout simplement. Alors on va quand même continuer un petit peu, voilà, au niveau de l'équipement, au niveau des matériaux, voir un petit peu tout ce qu'on a récupéré. Et on a récupéré pas mal de petites choses. Par contre, c'est au niveau des matériaux, voilà. Food et réenchaînement magique. Alors je vais peut-être pouvoir le virer. Le food, ça dépendra de l'ennemi.
Vol, je vais pas m'en servir. Ça, c'est sûr et certain. Boulette canon chinoui permet de faire une attaque synchronisée spéciale. D'accord. On va prendre. Est-ce qu'il faut si je garde PV augmenté, analyse, je garde parade. On va garder, puis on va regarder chez Sonon ce que je peux changer. Expertise des objets, améliore les effets des objets utilisés en combat. Auto-soin, attaque anticipée, provocation, PM augmenté. PM augmenté, on peut le virer. Par contre, c'est quoi qu'on avait vu tout à l'heure? C'était... Ouais, garde renforcée. Mais en fait, non. Expertise, voilà, technique. Augmente un peu le remplissage de la jauge ATB lors de l'utilisation de trois types de commandes. Ouais, je sais pas si ça va vraiment me servir ou si ça va m'être utile. Non, on va rester comme ça pour le moment. Simplement. Un bracelet de croissance magique. Ah ouais, non. Voilà, pour le coup, non. Triple les gains de PC des matériaux insérés. Ah, ça c'est pas mal comme objet. Et c'est dans une optique où tu veux un peu... C'est dans une optique où tu veux train un petit peu tes persos. Là, on est parti... Enfin, t'es dans un DLC où t'as pas le temps, t'as pas vraiment le temps de vraiment t'entraîner, quoi. Donc on va pas vraiment partir là-dessus. C'est le feu. Ok. C'est ça que en fait, c'est ça qui me saoule dans ce jeu. Lorsque tu te fais attaquer toi, ça te cancel tout ce que t'es en train de faire. Mais pour les ennemis, non. Mais laissez-moi le temps d'exprimer, bordel. Laisse-moi esquiver, bordel! Insupportable! Insupportable! C'est vrai que c'est un côté du jeu qui m'avait vraiment... Enfin, que j'avais oublié d'ailleurs. Et c'est vraiment hyper sombre.
bien plein de coffres, mais y'a rien dedans. Ah mais qu'est-ce que c'est ? Putain, on a droit à Gundam sur ce combat. Utilise un puissant laser pulsé quand il révèle le cœur Magitech niché dans leur torse, détruire le cœur ou le voler permet de les affaiblir et augmenter les chances de les mettre en état de choc. Je crois que j'ai la compétence vol ou je l'ai viré. Je crois que je l'ai viré. Excellent. Ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Passons à la suite. C'était pas si dur, hein. Tu vois, ce combat, il était pas si dur parce que bah, l'ennemi, il était pas complètement pété, en fait. Et du coup, c'était un combat plutôt agréable. Là, comme ça, ça va. Arrive petit à petit. Ah, un bâton du démon. Alors, c'est pour qui ça ? Là, c'est surtout pour les attaques magiques. Ok. Profitez pour balancer une petite sauvegarde. Hop. Un petit peu avant d'activer quoi que ce soit. Niveau 2 du système principal activé. Chargement de l'énergie Mako en cours. Déploiement des grilles de sécurité. Ah, voilà. Notre passerelle vers la matéria. Okay. Tiens, tiens. À moins qu'elle soit cachée dans cette salle là-bas. Ok, donc là, il y a un truc. Je peux pas les prendre. Ah! Allô? Non, c'est bon. Je crois qu'il y avait un souci de micro, mais non, ça va. Identification d'employés confirmée.
Accès à la salle d'entraînement autorisé. Nous vous rappelons que l'utilisation est limitée à une personne. Ah, c'est pas le simulateur ? Salle d'entraînement ? J'espérais plutôt trouver une réserve de matériel. C'est pour une seule personne. Chef, si jamais t'y vas, sois prudente. On va essayer, hein. Ouais, on a le temps, non? On n'est pas pressé, hein. Détruisez autant de boîtes que possible. Ah, j'avais zappé ça. C'est un traitement utile de... Attends, ouais, ok. Ok, ok. Que j'ai pu. Aussi puissante que le grand Nacho. Ah, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc 5000 points, une matériel en enchantement stimulant. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Là, ça va être de l'autre côté. Par où? Je crois bien qu'on est complètement perdu là. Yuffie, pas de panique. T'as des haricots? Des fèves d'Achao. Ouais, j'en ai. Tu l'as mâché? Bien sûr que oui. Ça me fait trop plaisir, son nom. Je te comprends. On se sent plus fort quand on est entre compatriotes. Ouais, c'est rassurant. C'est quoi ce moment là? C'est un peu bizarre. Ah! On pourrait se servir de ça! Bon, allons-y. Let's go! Là, quand les combats ils se passent comme ça, c'est propre.
Voilà. Quand ça se passe comme ça, il y a aucun problème. C'est maîtrisé, c'est cool, c'est fun. Mais quand c'est les autres types là, qui t'enchaînent, qui te cancel tous tes coups, tu peux même pas esquiver, tu peux même pas, enfin, tu peux même pas faire de parade. Enfin, là voilà, quand il y a des combats comme ça, ça fait plaisir. En tout cas, je pense que le petit fixe que j'ai passé là, il fonctionne pas mal parce que bah, du coup, on n'a pas eu de chute de framerate, on n'a pas eu de petit drop. Comme quoi, ce que je disais la dernière fois à propos de l'optimisation du jeu, elle est vraiment correcte parce que j'ai juste changé un petit fichier. J'ai pas fait grand chose. Hein. Bon, après, il faut dire que ça va. Je tourne le jeu sur un gros PC, donc ça va. Mais du coup, non, l'optimisation elle est vraiment correcte. Hein. Là-dessus, il n'y a pas grand chose à reprocher au jeu en fait. Ceux qui étaient en bas. Mais alors, ça doit être la matéria ultime. Ça a peur d'être une matéria, ça. Mais on voit rien. La lumière, vite. Comment on l'allume? Là, en fait, on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini, hein. Non, c'est pas. Non, je crois que c'est de là d'où on venait tout à l'heure, mais en fait, non, c'est juste que les salles se ressemblent un petit peu toutes. Il y a un truc là. Ah, parce que là, ça me propose pas de monter. Bah, attends, j'ai peut-être allumé le truc en fait. Je dis ça, je dis rien. C'était ça. Oh non, c'est toujours pas la matéria ultime. Les Gundam sont de retour. C'est pas vrai. Arrêtez de nous balancer des gardes et filez-nous la matéria. Je déteste rien de plus que la Shinra. On va bien. Voilà. Voilà le genre de truc qui me rend ouf sur le jeu. Moi je balance mon attaque, tranquillement, au calme, le mec il balance son Nexus, il arrache tout.
Ah ouais, en plus du coup il meurt, hein, fait chier. Là, je suis dans la merde. Bravo. Vous appelez la cutscene ? Non, tant pis. Oh non ! C'est toujours pas la matéria ultime ! Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, c'est pas vrai ! Arrêtez de nous balancer des gardes et filez-nous la matéria ! C'est vraiment pas de bol d'être tombé sur moi ! Aucune stratégie, ok, ils sont juste faibles à l'électricité. Est-ce que j'ai les deux? Non, j'ai pas les deux. Oh bordel, c'est pas lui, c'est l'autre. T'as son nom, tu déconnes. Mais c'est quoi ça? J'hallucine, moi. Y'a pas de pause syndicale. Est-ce que c'est pas lui qui est sensible au foudre là ? Je sais même pas comment j'ai pris des coups là.
Ouais, l'explosé m'a tué, enfin j'ai... Il y a des trucs que je comprends pas sur ce jeu. Alors, est-ce que vous avez découvert ce qu'ils veulent? Oui. Leur comportement étant un peu incohérent, je ne suis pas certain, mais... Apparemment, ils chercheraient une Materia. Une Materia? Ils seraient venus jusqu'ici, en plein territoire ennemi, pour une chose aussi futile. C'est la seule conclusion pour le moment. Voilà qui est extrêmement décevant. Eh bien, soit. Mettez-moi en contact avec eux. Compris. J'espère que je ne vous dérange pas. Oh, je ne sais pas vous surprendre autant avec un... Mais au fait, je sais que vous êtes venus de très loin pour nous voir. J'ai une proposition. Si on jouait un peu plus ensemble, je vais vous montrer des choses bien plus intéressantes qu'un simple crâne. Qu'est-ce que tu m'as dit, Gans? Voyons, pourquoi autant d'agressivité? Vous savez, il se pourrait bien que ce que vous cherchez se trouve quelque part un petit peu plus loin. Bon, allez, je vous attends là-bas. Yuffie, on fait quoi? C'est un piège, hein? J'en suis consciente. Mais bon, on n'a pas d'autre option. Content qu'on soit du même avis. Tiens, ah putain, j'ai utilisé. J'ai utilisé la magie pour elle, mais je me doutais qu'il y aurait un truc dans ce style-là. Nous y récoltons et analysons les données de tous les tests de durabilité. Cela nous permet de créer de nouvelles armes toujours plus performantes. Tâchez de bien profiter de la visite. Début du test de durabilité. Veuillez sélectionner le type d'unité que vous désirez tester. Ok, on a tout récupéré, c'est propre. Si j'ai 10 000, donc on va prendre quelques éthers. Que de Phoenix, on en a assez, tout ça on a. Une méga potion, j'en profite pour faire pour ravitailler un petit peu, voilà. Hop. Ok, non, c'est pas des portes. Sélection enregistrée. J'aime pas ce que j'ai pris. J'ai même pas fait attention à ce que j'ai pris en fait. Merde. J'aurais dû regarder en fait. Observation. Yeah!
ont changé. Ah mais je comprends pas les coups qu'il se prend lui aussi là. Chier pour rien en fait là. Veuillez sélectionner le type d'unité que vous désirez tester. Ah lui là à gauche il va me saouler. À droite je sais pas. Sélection enregistrée. Préparation de la zone d'observation en cours. Quoi qu'il en soit, on va en chier de toute façon. Préparez-vous à commencer le test. Début de l'observation. Lorsqu'un certain nombre de dégâts est infligé, version améliorée du drone militaire, ok, ils sont sensibles à l'électricité. Laissez-moi bouger, bordel de merde! Oh, c'est pas possible ça! Putain mais laisse-moi bouger bordel de cul.
Putain, il m'a sauvé son nom. Il m'a sauvé. Ah non, il n'est pas mort. Qu'est-ce que tu dis de ça? Dans ce jeu, tu en chies, tu comprends même pas pourquoi t'en chies. Alors après, c'est par où? C'est par là? Ah, c'est pas vrai, c'est pas fini. On suit. Attends, est-ce que je peux sauvegarder? Attends. Non, je peux pas sauvegarder là. Nous approchons de la zone d'observation. Préparez-vous à commencer le test. Truc à choisir là? Encore? Encore les Gundam. Mais ça va, j'ai un peu plus d'espace. Ah, c'est pas possible! Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ouais, en plus quand je meurs, lui il meurt, mais c'est pas vrai! T'as l'intention de laisser faire tout le boulot? Allez, allez, on se relève! Putain, tu cours, tu peux rien esquiver! Tu peux rien prévoir, faut regarder les deux. Parce que si tu regardes pas les deux, bah ils t'attaquent en même temps. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas me laisser toute seule quand même.
crois que je viens de comprendre un truc. Ah, mais c'est pas possible! Ah, c'est pas vrai! Tu vois? Tu peux même. Enfin, tu peux jamais cancel leurs attaques, c'est abusé. C'est abusé. C'est abusé de ouf, ça me rend ouf. Ah, c'est la chance. Comment c'était fouillé ?
termine de manière stylée, quand même. Quand même, quand même. Bah moi aussi je suis sur les rotules putain. Y'en a encore. Sélection enregistrée. Ah ils abusent. La vérité ils abusent. Tiens on va sauvegarder quand même. Mais la vérité ils abusent. La vérité ils abusent de ouf. Moi j'ai plus rien en plus. J'ai plus rien là. Attends, si j'ai des éthers. On va utiliser des éthers. Vraiment lancer la sauvegarde là, ça sera plus simple. Comme ça, si je me fais défoncer, au moins, au moins ça va, j'aurai récupéré ma vie. Mais la vache, j'avais complètement. Je dois le répéter plusieurs fois depuis le début de que j'ai commencé cette petite série, mais il y a des combats comme ça. Enfin, tu comprends pas. Tu comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Quoi. Préparez-vous à commencer le test. Et lui, là, regarde là. Regarde-le, ce robot là. Il a l'air inoffensif comme ça. Il va me déboîter le cul, je suis sûr. Feu, glace, vent. Les attaques magiques répétées le font flancher, la rendant plus susceptible de subir l'état de choc. La condition toutefois est de frapper dans le dos, car elle repousse toutes les attaques frontales. Qu'est-ce que tu peux gérer avec un ennemi qui se déplace comme ça? C'est n'importe quoi. Oui, moi j'étais en train de... Je sais pas ce que j'étais en train de faire, mais j'étais en train de faire. Technique du vent ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Dans le mille ! Enfin ! Je te tiens ! Allez ! Tu vas vous payer ! Il est en train de me faire mal. Ah putain, et je prends le coup à la fin, quoi. Continuons comme ça. Vraiment très impressionnant. C'était peut-être un peu trop facile pour des shinobis de votre temps. Qu'est-ce que tu crois? Et t'as encore rien vu? Vous m'envoyez totalement ravi. Eh bien, dans ce cas, la suite devrait vous plaire. Puisque vous avez eu la gentillesse de venir de si loin, je vous ai préparé un accueil très spécial. Par ici, je vous prie. Vous savez quoi? On va se stopper là pour cet épisode. Parce que je pense que ça doit faire pas loin d'une heure.
Je pense pas qu'il y aura de coupure parce que j'ai pas trop recommencé cette fois les boss. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Et en tout cas, bah, j'espère que la petite session vous aura plu. Et on va se retrouver prochainement pour la suite. Allez, ciao tout le monde.